Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite aux aventures sur le Seigneur des Anneaux. La dernière fois, on avait fait le gouffre de Helm. Aujourd'hui, on va changer un petit peu, on va du côté de Gollum. Nos âmes et troyons. On va voir ce qu'on part. Ah, bah, on peut pas le prendre, le Gollum. On va aller par là-bas. Ah, il y a une tour de machin là-bas. Voyons voir ce que Tonton Sauron il nous veut. C'est un marais. Sans déconner! Non mais c'est pas comme si on le voyait pas à 300 mètres, hein. Si je veux d'abord. Ah, j'ai trouvé ça en bois. Certainement pour éteindre les flammes. Ah oui, d'accord. Mais si je veux. Et puis d'eau. Tant pis. Là, je me dépêche, je vous vois. Non mais c'est une blague là. Quand il saute, ça crame. Ah mon pas super comme quoi. Mais il va fermer le Gollum. La perte de pièce que j'ai à chaque fois. C'est fou, hein. On tape avec un seau d'eau, la perte sèche. C'est fou. Oh, mais il va se calmer. Non, mais tu vas regarder, toi. J'ai raté mon virage. Ça arrive, hein.
Tout. En fait, il suit des pièces, quoi, c'est pas compliqué. Pas d'eau. Je suis dans de la flotte et je jette un seau d'eau pour éteindre le feu qui est dans la flotte. C'est fou. Mais ça recommence, tu vois, pour m'en recramer une. Mais si. Là, c'est y a rien. Allez! C'est casse-pied comme coin. C'est peut-être cosy, mais c'est un peu casse-pied comme coin. Franchement, rentrer dans une caverne, il fait noir, hein. On pense qu'il y a de terrible. Non, et puis tu parles d'une caverne, le truc il fait 10 cm d'épaisseur. N'importe quoi. Allez. Stupide bijoufli. Et plus d'autres. Les cavaliers noirs. Sur un gros poulet. Cachez-vous! Cachez-vous!
guise en buisson. J'ai un buisson qui marche, ça paraît pas bizarre. Cachez-vous, cachez-vous. Bleu là-haut. J'ai même une violette, dis-moi. On m'a pas vu. C'est quoi ce pied comme niveau, hein? Pourquoi il m'a foutu en avant, mais... Mais qui c'est qui fait l'effet?
Oui, bah t'excites pas, Gaston. J'arrive. Bon, pas plus vite que ça, bébé. Si t'as été emmené dans ta mare, là. Je suis sûr qu'on a fait un aller-retour. On va pas se faire remarquer en faisant cramer un tronc d'arbre. Hein. Ça c'est clair. Le machin il est juste au-dessus. Mais il faut vraiment qu'il soit bigleux le mec. Hein. Oh la mission qui bouge. Il n'y a pas de pont. Il faut aller par là, quoi. Dis donc. Ok, la pêche. On fait. Ah, il faut qu'il soit là. Allez. C'est le facteur. Ah, c'est livré bien. Il y a de la viande fraîche au menu, mes amis. Regardez. La porte. Elle s'ouvre. Non. Il existe un autre chemin. Plus secret, plus sombre. Montrez le chemin, Smeagol. Pas un éléphant, hein. De mauvais hommes, serviteurs de son. C'est un éléphant. Ok.
J'ai raté. Je vais te donner un coup de corde. Cirque du Soleil vous présente Jean-Pierre qui fait le coup. Demandez-moi comment je fais. Le machin, il a sauté tout seul. Partie de Foncombe avec 7 compagnons. Nous en perdîmes un dans la Moria. 2 étaient de ma race. Il y avait aussi un nain, un elfe et 2 hommes. Aragorn, fils d'Arathorn, et Boromir du Gondor. Vous êtes un ami de Boromir? Oui. Vous serez donc attristé d'apprendre qu'il est mort. Mort? C'était mon frère. 2 semi-hommes et une armée d'hommes à mes ordres. Et l'anneau de pouvoir qui est à portée de main. Il doit le détruire. C'est ce que nous comptons faire, en allant au Mordor. Parce qu'il y a de bien d'être attaqué. Ils ont besoin de renforts. L'anneau va aller au Gondor. Le marais des morts, c'est casse-pire. Le Faramir. Madril. Machin, le truc est à 100%. Un sourd, voilà. Continuez les soirs. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit peu long ce coup-ci. On tourne au revoir dégueulasse et grand elfe. On se retrouve bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Puis laissez-moi un commentaire. Ciao.